Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes et bienvenue dans mon monde. Mon monde, en moi, c'est le salon spirituel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si là, je vais vous donner une ou deux ou trois astuces, donc ça dépend. Parce que pour que la vidéo ne soit pas longue, donc je vais donner deux. Disons, on commence par deux. Ce n'est pas long, on va ajouter une astuce. Donc, comment avoir de l'harmonie dans votre couple? Vraiment de l'harmonie, que tout soit bien. C'est ici, là, je parle des couples qui sont. Disons fusionnels, qui s'aiment très bien. Je ne parle pas des couples qui battent déjà de l'aile, non. C'est des couples qui s'aiment vraiment très bien à faire ce genre d'astuces. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut pas faire un déblocage comme ça de temps en temps, ou bien des astuces de chance, ou bien des astuces vraiment encore pour amener encore cette paix-là. La paix, quand il y a de l'atmosphère, une bonne atmosphère dans la maison, c'est très bien. Quand il y a des problèmes dans une maison, c'est pas bon. Ça fait que même des entrées d'argent, vous n'avez pas. Ça fait même que même votre mari, si c'est seulement le mari qui travaille, il a des problèmes à gauche, à droite, y compris vous-même, même des enfants. Donc ne laissez pas les mauvaises ondes venir s'installer chez vous. Ne dormez pas avec des problèmes. C'est très important dans un couple. Donc qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez vraiment besoin de tout ça là. Donc, on va commencer par ceci avec des bougies, une bougie blanche et une bougie bleue. Donc, je n'ai pas la bougie bleue ici, là. Allez chercher une bougie bleue. Donc, toi, je dis bien toi qui veux faire l'astuce. Toi qui veux faire l'astuce, tu vas écrire ton nom sur la bougie bleue. Toi qui c'est pour l'autre. J'espère que vous me comprenez. Si toi, la femme, c'est toi qui es en train de vouloir faire l'astuce, prends la bougie bleue, tu écris ton nom sur la bougie. Et le nom de la personne, l'autre personne, sur la bougie blanche. J'espère que vous me suivez là. Et là, alors, vous allez prendre la bougie là et mettre, non, ou en tout cas, attacher, voilà. Attacher d'abord la bougie, plus simple. Ça, attacher d'abord la bougie, les deux bougies. Avec le fil blanc. Donc, vous savez que on fait des astuces avec les vœux. Sans les vœux, tu fais quelque chose comme ça, tu ne dis rien. Comment tu veux que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Et les astuces, c'est souvent bien de faire des astuces comme ça, là, soit le matin, soit le soir, vers 18h, 19h. Donc, j'avais oublié les glaçons. Donc, vous allez prendre une bouteille comme ça, là. Vous allez prendre les glaçons, vous allez mettre les glaçons. Parce qu'il faut mettre les glaçons de telle sorte que les bougies ne doivent pas. Si c'est les bougies qu'on a, ça c'est la bougie qui dure 8 heures du temps. 8 heures du temps. Mais ça, ce n'est pas une bougie pour allumer ou non. Seulement pour mettre les glaçons dans la bouteille et mettre les deux bougies attachées là-dedans jusqu'au matin. Le matin, alors, vous allez enlever les glaçons que vous allez jeter. Et là maintenant, ajouter du miel là-dedans, bien fermer et garder ça quelque part. Comme j'ai dit, sans les vœux, votre astuce est nulle. Bon, maintenant, la deuxième astuce, c'est avec un œuf. Vous savez que l'œuf, vraiment, l'œuf est tellement puissant que même les sorciers ont peur de l'œuf. Je vous dis ce que moi-même j'ai eu ici là sur moi, que j'ai mal au bras depuis. Plus de 2 mois maintenant que j'aime parce que j'ai cassé un œuf très tôt le matin. C'est comme m'arrêter au niveau du bras. J'ai mal là. Si quelqu'un vous dit que la sorcellerie n'existe pas, il vous a menti. Soit lui-même il est sorcier, vous vous faites quoi que là ça n'existe pas alors que lui-même là-dedans. Ah oui. Maintenant pour l'œuf, qu'est-ce qu'on va faire avec l'œuf? Vous savez que j'aime aussi les écritures géomancées. Donc, ici, là, vous allez faire comme moi. Donc, quand vous tracez, ne faites pas comme ça, là. C'est une seule fois. Donc, suivez-moi. Ici, là. Ici. 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 Ouais, non. Un. Un, deux. Un, un. Les quatre côtés. Vous allez faire les quatre côtés. Donc après, c'est comme j'ai dit, c'est soit le matin, soit le soir. Vous allez casser l'œuf là. Vous allez choisir le carrefour à quatre côtés. En faisant ça, n'oubliez pas de faire vos vœux.
Je ne fais pas les quatre côtés parce que je ne suis pas, je ne fais pas. Ce n'est pas, en tout cas, juste pour vous montrer que je fais, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas les quatre côtés. Moi, je veux manger ça. Je veux manger l'œuf là. Donc, voilà. Vous allez casser ça. Faites ça soit le matin, soit le soir. Bon, comme j'ai encore le temps, je vous donne encore une troisième astuce. Bon, troisième astuce, je vous ai déjà donné ça ici là. C'est dans ma chaîne YouTube. Une photo. Soit vous avez une photo de mariage, soit vous avez, parce que soit vous prenez deux photos, que vous allez mettre le miel au milieu et coller comme ça là. J'ai déjà fait ça. Je vous ai déjà donné l'astuce là, ici là. Vos deux photos, vous collez ça ici là. Vous prenez le miel, vous mettez le miel là au milieu, vous collez ça comme ça là, avec le miel. Vous mettez ça dans une bol. Là, c'est vraiment, c'est pour la réconciliation. Mais les astuces que vous voyez là, vous pouvez les changer pour la paix. Vraiment, je dis bien, c'est pour la paix dans votre foyer. Vous mettez les deux photos là dans le miel. Vraiment, dans une. Prenez un truc comme ça là. Vous mettez les deux photos là. Vous pouvez même attacher les deux photos si vous voulez. Avec le fil blanc. Pourquoi pas. Et vous ajoutez le miel là dedans. Donc, c'est la photo que. Vous ne pouvez plus. En tout cas, vous comprenez déjà. C'est la photo, c'est déjà fertile. C'est déjà avec du miel dedans. Vous allez garder ça quelque part. Vraiment pour l'harmonie. Pourquoi pas? C'est comme je dis souvent que rien n'est éternel. Vous pouvez refaire l'astuce après un temps. Vous refaites l'astuce. Donc, n'oubliez pas que je suis membre de Rieblement. Si vous voulez être membre de Rieblement, c'est une crypto-monnaie comme tout le reste. Qu'on appelle maintenant le Limoucoin. C'est pour ceux qui me suivent vraiment tout le temps, de temps en temps, je poste quelque chose par rapport à ça. Et j'ai une page pour ça. Bon, YouTube m'a donné 2 semaines parce que j'ai posté quelque chose qui n'allait pas dans le sens. J'ai bien compris. Donc, c'est un peu ça, disons. C'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas, avant les savons de déblocage, des chances pour les mains percées. Si vous voulez coller votre coupe, vous venez me voir en privé avec des astuces naturelles. Donc, j'ai aussi le savon de ça. Optez aux choses naturelles qui ne nuisent à personne. C'est très important. J'ai aussi les savons pour les mêmes, pour l'amour, les savons pour les dettes, les savons pour les enfants qui ne marchent pas. Le savon, si vous voulez un savon de travail ou bien un savon de protection, venez me voir en privé. Je vais vous aider ou bien je vais vous donner l'astuce. Vous allez faire ça chez vous. Sinon, il y a aussi une vidéo que je parle, que j'ai fait. Vraiment, ce que j'ai fait là. La seule chose qu'il y a à faire là, c'est donner votre force. Parce que chacun a sa force. Donnez votre force à ce savon-là pour que le savon-là soit vraiment très puissant. Disons comme ça là. Donc, récapitulatif de là. Si vous aurez besoin des glaçons que vous allez mettre dans une bouteille comme ça là, vous allez prendre 2 bougies. Une bougie blanche et une bougie bleue que vous allez écrire votre nom. Et le nom de votre nom dans la bougie bleue. Et le nom de la personne dans la bougie blanche. Vous allez prendre la bougie là, vous allez attacher ça avec le fil blanc, et vous allez mettre ça ici avec les glaçons jusqu'au matin. Après, vous allez enlever les glaçons, en tout cas, ça devient lourd. Après, vous enlevez l'eau là, puis vous mettez du miel et vous gardez quelque part. Soit vous pouvez aussi prendre un œuf que vous allez faire là, vous allez tracer comme vous voyez là, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Et vous allez casser ça soit le matin, soit le soir, en faisant vos vœux. Très important. Soit vous prenez 2 photos. Avec vos 2 photos, vous allez bien attacher ça avec du fil. Vous mettez le miel au milieu. Vous mettez aussi dans une bouteille comme ça là. Et vous mettez le miel, beaucoup de miel. Optez au miel naturel, pas les faux trucs là. Parce que c'est les faux trucs là, non. Optez vraiment au miel naturel. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Très important. Et abonnez-vous aussi. J'ai les savons qui sont disponibles pour ceux qui veulent. Donc, encore une fois, abonnez-vous, likez. Et moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.